Bienvenue à ITV Célébrité Interview. Aujourd'hui, je reçois Vince Rogers, historien du cinéma populaire, on peut dire, mais c'est pas spécialement ça. Et nous allons parler de Bruce Lee, ce phénomène international et intergénérationnel, comme il nous le dit à chaque fois. Donc, on l'attend, dans 3 minutes, il est là. Bonjour Vince, écoute, aujourd'hui, c'est pas beau. On est c'est que du bonheur, là. On a l'impression d'être à Hong Kong, tu vois, on est sur place. Alors aujourd'hui tu es là, ben, c'est pour l'émission de Bruce Lee. Ah bien écoute, oui, là c'est... Et donc, on va se défoncer pour lui. On a quand même un tribute à faire à une icône mondiale et globale. Et donc on va développer tout ça. Eh bien écoute, Bruce Lee, bien entendu, je l'ai découvert en salle à l'époque. Donc en live, avec Big Boss. Alors Big Boss, si tu veux, un film qui était très violent pour l'époque, et un film qui allait vers le fantastique. Tu sais, les passages qui se passent dans l'usine à glace. Donc il y avait ce côté un peu froid, des lumières un peu électriques, et c'était vraiment, j'avais trouvé ça très novateur, et on ne connaissait pas Bruce Lee. Donc Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, après bien sûr Opération Dragon, tout ça c'est des films que j'ai vus en salle. J'ai vu d'autres films, des films de Lo Wei, qui a tourné avec Bruce Lee. Bruce Lee ne s'entendait pas d'ailleurs avec lui. Et si tu veux, voilà, mais vraiment, Big Boss, ça a été la révélation. Tu vois, un cinéma nouveau, un cinéma donc exotique pour nous, il y avait une rupture avec le cinéma d'action occidental, tout en ayant des, si tu veux, des racines. Tu vois, donc ça a été vraiment la révélation pour moi et pour pas mal de camarades de l'époque cinéphiles, si tu veux. Et on a continué, voilà, on s'est approché de ce cinéma et on a continué donc à fréquenter des salles de cinéma qui étaient en disparition, les salles de cinéma de quartier disparaissaient. Et donc en fait, le cinéma de Kung Fu et Bruce Lee, ça a été, si tu veux, la dernière ligne droite des cinémas de quartier et des cinémas populaires. Voilà. Eh bien écoute, comme je te disais, en fait, ce cinéma de Kung Fu et ce cinéma de Hong Kong, puisque là c'était vraiment des productions asiatiques faites à Hong Kong, avec la Golden Harvest, ça a été une découverte totale pour nous, parce qu'on n'était pas habitué à ça, tu vois, mais on avait le repère de l'aspect fantastique. C'est-à-dire les combats étaient tellement démesurés, les mecs ils se projetaient en l'air, ils se battaient en l'air, donc on avait, si tu veux, on retrouvait ce cinéma fantastique que nous adorions, tu vois, le cinéma populaire des salles de quartier, mais avec cette immixtion, si tu veux, d'un cinéma exotique. Donc ça a été une découverte, mais pas une trahison, si tu veux, du cinéma qu'on aimait. Donc ça a été le prolongement vers un autre univers. Et c'est vrai que Bruce Lee, il a créé le cinéma de Kung Fu, et il a fait école, après on va développer ça. Il a fait école au niveau des acteurs occidentaux, au niveau du manga, etc., etc. Bref, mais à l'époque, dans les 70s, hein, on était quand même au tout milieu, même au début des années 70, on a redécouvert, si tu veux, le cinéma populaire. Tu vois, grâce à Bruce Lee, grâce au cinéma de Hong Kong. Voilà.
peux-tu nous parler des débuts à Hong Kong et à la télé de Bruce Lee? Eh bien, écoute, alors Bruce Lee, donc, né à San Francisco, né en Amérique. Il est donc allé très rapidement. La maman voulait qu'il ne fréquente pas les gangs de rue. Tu vois, donc il aurait pu avoir des fréquentations, si tu veux, que sa mère ne voulait pas qu'il ait. Donc elle l'a envoyé à Hong Kong. Il a donc été élevé à Hong Kong par son père. Alors il faut quand même noter que Bruce Lee vient d'un milieu artistique. Son père était une vedette de l'opéra traditionnel, si tu veux, asiatique, chinois. Donc c'était une vedette, son père, une vedette importante. Donc Bruce Lee, en fait, c'est un enfant de la balle. Si tu veux, avant d'être un combattant, d'être un guerrier, si tu veux, d'arts martiaux, il était à l'école de la comédie. Et il a figuré comme acteur enfant dans des films chinois de Hong Kong, tu vois. Donc il est enfant de la balle. Donc il a pris son métier d'artiste avant le combat, si tu veux. Donc il a été élevé par son père donc à Hong Kong. Il a figuré au générique de films de Hong Kong. Il est revenu en Amérique. Bien entendu, la charnière, si tu veux, Hong Kong, Amérique, ça lui a permis donc d'aller vers les sports de combat dès les années 54-55. Il s'est donc initié au sport de combat, mais il n'était pas satisfait, si tu veux. Après, il a créé son propre art, tu le sais. Mais donc, il a fait quand même pas mal d'écoles de combat. Aux USA, il a ouvert sa salle de combat. Il était donc prof, coach, combat. Et il a commencé, si tu veux, à fréquenter des milieux cinématographiques. Il a été repéré par un producteur américain qui cherchait, si tu veux, un acteur donc asiatique pour une série. Cette série ne s'est pas faite. Mais il a été sélectionné pour tenir le rôle de Kato dans la série Le Frelon Vert, cette fameuse série populaire, si tu veux, donc qui reprend en fait le personnage, tu sais, du Frelon Vert, qui est un personnage qui vient du céréal, etc. Donc vraiment une série emblématique qui n'a duré qu'une saison, mais qui lui a mis le pied à l'étrier. Donc une construction, si tu veux, américaine pour Bruce Lee, et après repéré par les Shaw Brothers, Robert Shaw. Il le repère, il cherchait un acteur, si tu veux, américano-chinois pour venir tourner à Hong Kong. Il voulait développer à l'international, si tu veux, le cinéma de Hong Kong. Et c'est Bruce Lee qui a été sélectionné, mais il ne s'est pas entendu avec Shaw Brothers. Il est allé vers la Golden Harvest, qui était une boîte plus, si tu veux, plus petite, mais qui a quand même fait de très jolis films. Et il a attaqué sa carrière avec le film dont on a parlé tout à l'heure, avec Big Boss. Donc, est-ce que c'était une question d'argent aussi, non? Je ne pense pas. Non, c'est une question humaine, si humaine, tu veux, tu vois. Ça. C'est-à-dire, tu sais, Bruce Lee, en fait, très tôt, il a eu des velléités de metteur en scène. Tu vois, il a réalisé donc son premier film à Hong Kong. Tu vois, donc, il était acteur, il voulait faire de la production. Donc, c'est quelqu'un qui était ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, il voulait croquer la vie. Il voulait faire du cinoche. Ouais, c'était un vrai comédien, ouais, ouais. Mais un businessman aussi, tu vois. Un homme très avisé. Et voilà, donc la carrière, si tu veux, Hong Kong est lancée. Les films ont eu un succès planétaire. Hein. Big Boss a commencé, si tu veux, tout simplement à Hong Kong. Et puis il a dépassé les frontières, il est allé en Occident. Ce qui fait que Bruce Lee est revenu, si tu veux, donc sur les USA. Il n'est pas devenu de suite une vedette importante aux USA. Il a recommencé à tourner pour la télévision. Il a fait une série américaine avec James Franciscus, très bon acteur, tu sais, qui avait tourné dans La Planète des Singes, tu sais. Donc il a fait de la télé. Et puis bien sûr, ça s'est débloqué, si tu veux, et ça a été Opération Dragon. Opération Dragon, qui est une production internationale, tu vois, le gros truc, le truc lourd. Et là, ça a été la naissance du phénomène. Et iconique. Tu vois, Bruce Lee de son vivant est devenu, si tu veux, une icône, comme l'a été Presley et comme l'ont été les Beatles. Tu vois, ils sont très peu. Tu vois, James Dean a été une icône après sa mort. Marilyn, après sa mort. Bruce Lee, non. Il l'a été immédiatement. Tu vois, et il a créé la Bruce Exploitation, il a créé la Kung Fu Exploitation. On va développer ça après, si tu veux. Voilà. General Black oppresses the people. Pleasures himself all day at their expense. He doesn't care for the people. Old man, you missed me. You're careless.
Ah bien écoute, oui, là on est vraiment, on est dans le cœur du sujet, si tu veux. Donc Hollywood avant Lee, et le cinéma occidental avant Bruce Lee, si tu veux, avait une vue du monde asiatique qui était basée sur la culture populaire, la littérature populaire, ce qu'on appelle la pulp culture en Amérique, c'est-à-dire la pulp culture dans les années 40-50 et avant le roman, si tu veux, par exemple Saxe Romer, qui a créé le personnage de Fu Manchu. Donc Fu Manchu, si tu veux, il était la représentation du côté un peu inquiétant, le démiurge, c'est-à-dire Fu Manchu, c'était un peu le fantomas, si tu veux, de la littérature populaire côté asiate. Chez nous, en Europe, tu avais Bob Moran, son ennemi héréditaire, c'était l'ombre jaune. Donc si tu veux, la culture populaire occidentale, avant Lee, avait, si tu veux, cette vue soit de l'Asie comme une inquiétude, avec des personnages un peu forts, un peu violents, un peu complotistes. Tu vois, tu avais par exemple chez nous Maurice Lima, c'est Atomos. Tu vois, il y a eu la fille d'Atomos, il y a eu la fille de Fu Manchu. Donc tu vois, en fait, c'était une hérédité inquiétante. Tu vois, la littérature populaire a mené ces personnages. Et d'un autre côté, il y a eu bien sûr une ouverture au niveau, si tu veux, de l'ethnie asiate aux USA, comme pour les Blacks. On peut dire qu'il y a eu un début, si tu veux, d'asiato-exploitation, comme tu as eu après la Black Exploitation. Et tu l'as eu avec un acteur comme Keye Luke, un acteur japonais qui a tourné, si tu veux, dans les années 40, on dira, des personnages un peu de détectives, tu vois, d'hommes un petit peu qui enquêtent, mais toujours avec une aura mystérieuse. Tu vois, il y avait toujours ce côté, tu sais, ces quartiers un peu mystérieux, Chinatown, tu vois, etc. Tu as eu, bien sûr, Mr. Wong avec Karloff, Lugosi, l'alter ego de Karloff, avait aussi interprété le rôle, dont c'était Mr. Wong détective, tu vois, dans le quartier chinois, une sorte, si tu veux, de Sherlock Holmes asiatique, mais toujours, tu vois, dans un créneau, si tu veux, qui ne passait pas le pas, tu vois. Et Bruce Lee a débarqué. Bruce Lee a débarqué, donc au début des années 70, dans Le Frelon Vert, déjà, il avait un rôle important. Il a loupé le rôle, si tu veux, qui a été pris par Carradine dans la série Kung Fu. Donc il en a eu une certaine amertume, tu vois. C'est ce qu'il a décidé d'aller vers la production aussi. Tu vois, il a beaucoup investi dans Opération Dragon. Et comment il se retrouve dans le petit rôle qu'il a dans Philippe Marlowe et qui passe. Il meurt dans la. Il est allé vers des petits rôles ou des rôles moyens, si tu veux, au cinéma. Dans l'homme de fer. Ouais. Tu vois, à la télé, il a joué aussi. Parce qu'il faisait des chorégraphies, si tu veux, et des dispositions de scènes de combat. Bien sûr. Tu vois, il est allé. On revient toujours à la cascade. Par la cascade, il est allé sur des rôles, et de rôles de cascade, il est allé vers des petits rôles moyens, et c'est comme ça qu'il a fait Kato. Et Kato, donc Le Frelon Vert, c'est ce qui lui a donné, comme je te disais tout à l'heure, l'ouverture de Hong Kong. Tu vois, en fait, si tu veux, Bruce Lee, ça a été un chassé-croisé entre Hong Kong, Hollywood. Hong Kong, Hollywood, et puis il est allé à Rome. Il est allé à Rome, le film avec Chuck Norris, qui se passe au Colisée. Donc ça a été le premier film, si tu veux, de Kung Fu Exploitation, fait en Europe, qui a fait école. Ça, on va développer après. Quelle a été la place de Lee dans le cinéma d'action moderne? Eh bien, écoute, la place de Lee, elle a été prépondérante. Et là, alors, tu sais, on peut faire, tu vois, c'est toujours, les croisements de carrière et de personnalité. On retrouve ça dans des personnages importants. Par exemple, Bruce Lee, on peut le comparer à John Wayne. John Wayne, quand il est arrivé vraiment comme vedette ou dans des rôles importants, John Wayne a révolutionné le western. Tu vois, et John Wayne, on l'avait dit dans l'émission que nous avons fait à la Cinémathèque, hein, John Wayne, il a révolutionné le western, il l'a modernisé et il a apporté la violence. Tu vois, les coups de feu de John Wayne, les coups de poing de John Wayne, c'était nouveau. C'est ça qui a fait son succès. C'était un acteur viril qui allait au combat. Il allait à l'affrontement, tu vois, les gunfights, etc. Bruce Lee, c'est pareil. Bruce Lee, c'était à la mano, mais il a apporté ça. Après, tu as beaucoup de comparaisons à faire. Sergio Leone, qui a modernisé, si tu veux, pour une seconde fois, le western avec les westerns italiens, avec Clint Eastwood, sa trilogie, c'est pareil. Tu vois, il a apporté, si tu veux, la violence, il a apporté l'énergie, il a apporté les bandes de son qui étaient très importantes dans les films de Lee. Sur Opération Dragon, on le voit, la bande de son est très importante. Les cris de Bruce Lee, c'était nouveau. Tu vois, ça fait partie de la bande de son. Donc c'est très novateur.
C'est très novateur, comme l'a été à son époque Terence Fisher. Terence Fisher pour les films fantastiques, les Dracula, les films qui étaient, si tu veux, l'héritage des grands films gothiques américains des années 30, 40 et 50. Terence Fisher, il a fait exploser ça. Il a apporté la couleur, il a apporté des effets gore sanguignolants, si tu veux, soft hein, pour l'époque, mais qui étaient très nouveaux. Et on revient à l'Asie, c'est-à-dire Terence Fisher, quand il a tourné ses Dracula dans les années 50 et ses Frankenstein, il y a des versions qui étaient beaucoup plus violentes qui étaient faites pour l'Asie. Tu vois, les Asiatiques, donc, ont cette culture assez violente dans le cinéma populaire, tu vois. Et on le voit dans le film Kung Fu, on le voit dans le manga, c'est très violent. Donc, tu vois, voilà, une, si tu veux, une innovation permanente, mais qui se rattache à une tradition du cinéma. C'est-à-dire, systématiquement, au carrefour, si tu veux, de l'histoire du cinéma, tu as des mecs, tu as des nanas qui ont débarqué et qui ont apporté une modernité. George Romero. George Romero, il a fait exploser le cinéma de terreur avec La Nuit des Morts Vivants. Tu vois, un tout petit budget sugantin, c'était un film de fin d'études, il en a fait un truc emblématique et un truc qui a été, si tu veux, porteur d'un courant. Il a inventé un genre, comme Bruce Lee a inventé un genre. Tu vois, voilà, on va développer ça. Ah bien écoute, je crois que l'héritage, il est permanent et il dure depuis donc sa carrière de son vivant et bien sûr après sa mort, ça a explosé. Et il est vrai qu'il a donc, comme on disait tout à l'heure, il a créé un genre. Voilà, le cinéma de kung-fu, le cinéma d'action moderne, c'est lui. Je pense que, si tu veux, l'héritage, il est dans tous les films qui sont sortis, les films d'action moderne. Je pense que, bien entendu, des acteurs, si tu veux, comme Schwarzenegger, comme Bruce Willis, comme Stallone, tu vois, même s'ils n'ont pas fait des films, disons, de kung-fu ou des films d'arts martiaux, je pense qu'ils n'auraient pas développé ce genre de film. Les scénarios n'auraient pas été écrits. Bien sûr, après, tu as les films, les acteurs purs d'arts martiaux. Tu as Jackie Chan, tu as Seagal, tu as Van Damme. Tous ces gens-là n'auraient Jackie qui a été
cascadeur sur des films de Bruce Lee. Et il était à la Golden Harvest. Hein. Donc tous ces films-là, tous ces acteurs-là, si tu veux, donc que ce soit des acteurs spécialisés qui viennent des arts martiaux, de l'art martial, ou des acteurs et des cascadeurs de films d'action, les films comme ceux de Stallone, ouais, c'est-à-dire les action movies, ouais. Tu vois, les films avec héros, si tu veux, héros movies, tous ces gens-là, si tu veux, doivent leur succès et comment dirais-je, l'existence du genre de leur cinéma, ils le doivent à Bruce Lee. On peut dire aussi, si tu veux, que Bruce Lee a été, de par l'importance de la Kung Fu Exploitation, il a créé, après sa mort donc, hein, un sous-genre qui a fait école, ce sont les films de ninja. Les films de ninja n'auraient jamais existé s'il n'y avait pas eu les films de Kung Fu traditionnels, si tu veux. Donc c'est un genre qui a perduré, qui est vraiment un genre populaire, qui a été vraiment exploité à fond, et on continue à avoir des films de ninja, et on retrouve, si tu veux, les combattants ninja jusque dans des films vidéo, des jeux vidéo. Et je pourrais dire, moi je pousserais le bouchon jusqu'à dire que la culture manga, c'est Lee. Tu vois, si Goldorak, si tous ces feuilletons, ces dessins animés, puis ces films avec acteurs japonais, les XOR, toutes ces productions chinoises, coréennes, japonaises, si elles ont explosé, si tu veux, donc au niveau international via les télés, c'est grâce à Bruce Lee. Tu vois, c'est la culture asiatique qui a pris une place prépondérante, tu vois, mais dans les structures même du cinéma d'action. Tu vois, même les combats, si tu veux, les combats qu'on voit avec Bruce Willis ou avec Schwarzenegger, il y a de l'art martial dedans. Tu vois, où sont des anciens militaires, des anciens paras. Tu vois, donc on sous-entend que les mecs, quand ils étaient militaires, ils faisaient des sports de combat. Mais dans le film, le gars, il fait le sport de combat. Et ça, c'est Bruce Lee. Si Bruce Lee n'avait pas existé, on serait resté, si tu veux, à des gunfights, des bastons à l'ancienne. Tu vois, donc il a vraiment été novateur. Tu vois, il y a un avant et un après Bruce Lee, ça c'est clair. Et quand on voit, c'est rigolo, parce que Jackie Chan, son acteur préféré, c'est Jean-Paul Belmondo. Ah, Bébé Bel a fait école. On va développer ça après, si tu veux, l'école américaine, les Douglas Fairbanks, les Lancaster, qui ont influencé Bruce Lee. Tu vois, ça s'interpénètre. C'est ça le cinéma, sa vie. Tu vois, c'est pas un cinéma de rat de cinémathèque, tu vois. C'est le cinéma, il vit, il est vivant. C'est le cinéma de quartier. L'impact culturel que Lee laisse en France dans les années 70 et ensuite, bien sûr. Ah bien, écoute, l'aspect novateur, comme je te disais, de l'arrivée, quand Bruce Lee débarque avec Big Boss sur les écrans français, ça a été énorme. Alors en Europe, je crois que chaque pays a son histoire, mais en France, ça a été très particulier. Moi, je l'ai vécu donc in situ, si tu veux, parce que Bruce Lee et le cinéma de Hong Kong, les films de Bruce Lee, si tu veux, sont sortis en même temps après que des films de Kung Fu de Hong Kong, les films de Lo Wei avec qui il avait tourné, beaucoup de films, si tu veux, avec des acteurs contemporains de Bruce Lee qui n'ont pas eu la carrière de Bruce Lee, qui sont restés, si tu veux, dans un circuit, j'allais dire, sino-américain, sino-chinois. Ils ne sont pas sortis, en fait, de Hong Kong, quelques coproductions. Lui, il a été particulier, hein, parce qu'il avait la double culture. En fait, tu sais, Bruce Lee, en fait, on peut dire qu'il est le premier acteur métis culturel. Voilà, comme je te disais, sa carrière, ça a toujours été un va-et-vient permanent entre Hong Kong et les USA. Ça, il n'y a que lui qui a fait ça, tu vois. Jackie Chan l'a fait, mais de moindre manière, en fait. Jackie Chan, il est quand même basé à Hong Kong, tu vois, malgré tout. Même s'il a développé des films internationaux, Bruce Lee, c'était particulier. Bruce Lee, il est né à San Francisco.
Tu vois, donc c'était un métis total et il apportait cette force, si tu veux, du métissage culturel. Tu vois, donc c'est, ça c'est bien particulier. Et alors donc, pour revenir à ta question, il est certain qu'à Nice, les films qui sortaient sur les écrans ont de suite drainé une foultitude, si tu veux, de spectateurs. Beaucoup de blousons noirs allaient voir les films de Bruce Lee parce que ça bastonnait. Et alors, une petite anecdote, à cette époque, comme je te disais tout à l'heure, on en parlait là, hein, à la même époque, Hollywood essayait, si tu veux, de contrecarrer, et il fallait qu'ils sortent un film de baston. Ils ont sorti Rollerball avec James Caan, qui bastonnait à mort. Alors tu avais dans la même semaine, ou sur la même quinzaine, tu avais les bandes, si tu veux, les marlous de l'époque, qui allaient voir Bruce Lee, tu vois, ils étaient contents, tu sais, les mecs, qui commençaient à s'entraîner au Nunchaku, tu vois, donc on a tous fait ça, hein. On s'y croyait, on s'y voyait. Et puis après, on était quand même désarçonnés, parce que Bruce Lee faisait un peu peur, tu vois. Et tu vois, il y a eu toujours cette inquiétude. Si tu veux, l'Asiatique avait ce côté qui était toujours inquiétant. Ils se sont vraiment fait respecter, là, tu vois. Dans la vie de tous les jours, quand les marlous, si tu veux, voyaient un Asiatique, ils n'allaient pas l'emmerder, tu vois. Bruce Lee, donc, a apporté ce que j'appellerais, si tu veux, les Blacks ont eu Black Pride, tu vois, Blaxploitation, l'honneur d'être Black. Black is beautiful. Et Bruce Lee, il a amené, si tu veux, la Kung Fu Spotation, Yellow Pride et la fierté d'être jaune, d'être asiatique. Il a apporté ça. Alors il y a eu un double impact. L'impact donc de la reconnaissance du peuple asiatique comme peuple, si tu veux, de culture. Et Dieu sait qu'il y a une culture en Chine, tu vois. Et Hong Kong est encore particulière puisque Hong Kong avait, si tu veux, est un surgeon des empires coloniaux britanniques. Elle a été, si tu veux, laissée à elle-même il y a très peu de temps, en fait, historiquement, tu vois. Les Anglais étaient présents. Il y a toujours eu, tu vois, cet échange Occident et Chine, tu vois. Hong Kong, c'est particulier. Et donc, Lee, en plus, il a été donc, alors, il a redonné, si tu veux, une ampleur, donc, à l'Asiat, au peuple asiat, hein. C'est très bien, ça, tu vois. Mais en plus, il a apporté pour des peuples qui n'étaient pas particulièrement asiat, mais qui étaient, si tu veux, en quête de reconnaissance ou des gens qui étaient en lutte sociétale, en Amérique du Sud par exemple, en Afrique, c'est une idole totale. Tu vois, il a donné fierté au petit peuple. Tu vois, et le petit peuple, il faut quand même voir que là, c'était des millions de gens. C'est des millions de mecs sur la planète qui sont allés voir ces films. C'est pour ça qu'il est devenu une icône totale. Il n'y a que lui qui a fait ça. Tu vois, ça a été le premier, comme c'est un Chinois. Quelque part, c'est le Chinois avant le Japonais, avant le Coréen. C'est-à-dire, le Japonais avait une Toshiro Mifume. Bien sûr. Keyeluke, on en parlait tout à l'heure. Le Japonais avait, si tu veux, une prépondérance jusqu'à Lee, donc dans la personnification de personnages asiatiques au cinéma, tu vois. Le Coréen aussi, tu vois. Mais ils ont perdu du terrain, tu vois, tout en ayant de très belles carrières. Toshiro Mifume, c'est une star mondial, mais ce n'est pas une icône comme Lee. Lee l'a dépassé, tu vois. Toshiro Mifume est très respectable, il a fait des films magnifiques. Mais si tu veux, et d'autres acteurs, tu vois, dans les séries américaines, il y a toujours, un second ou un troisième rôle, et souvent c'est des Japonais. Tu vois, Patrouille du Cosmos, tu vois, toutes ces séries, tu vois, comme pour la Blaxploitation. Mais Lee, Bruce Lee a fait exploser le truc. C'est devenu une icône, voilà, t'en as un par siècle, et ça a été lui. Ça a été lui, et donc la prépondérance, si tu veux, de Lee a fait que, donc, je te disais, pour revenir donc à l'intramuros à Nice, par exemple, les salles de cinéma que j'ai connues, il a été donc l'impact, si tu veux, en fait, de la survivance, l'impact qui a fait qu'on a eu une survivance du cinéma de quartier. C'est-à-dire, je pense que s'il n'y avait pas eu, si tu veux, le cinéma de kung-fu, les cinémas de quartier auraient disparu plus tôt. Tu vois, donc Lee et le cinéma de kung-fu spectation, si tu veux, il est arrivé à la fin d'une époque, c'est une époque charnière où les cinémas commençaient à péricliter, donc ça a perduré. Disons que dans les années, au début des années 80, ils ont disparu. Ça a été remplacé, comme nous l'avions dit dans l'émission à la Cinémathèque, hein, ça a été remplacé, si tu veux, par la cassette vidéo, les vidéoclubs. Et les vidéoclubs, le fonds de commerce des vidéoclubs, ça a été le Kung Fu Spotation. Ça a été les films de Lee. Château a édité du Lee. Tu vois, je veux dire, Lee a été en affiche, si tu veux, à Paris, au Grand Rex, pendant des mois. On voyait, tu sais, sa posture, tu sais. Donc, toi, tout ça, c'est énorme. Donc, alors, une importance cruciale, j'allais dire, et déterminante
en matière, si tu veux, de cinéma populaire, donc en France, je crois que les Anglais, les Allemands, c'est pareil, en Italie aussi, mais la France a été vraiment un impact. Et ça a été, si tu veux, après l'ouverture, comme je te le disais, du manga en France, comment dirais-je, en édition papier, bien sûr, le manga à la télé, tu vois, qui a eu un succès phénoménal dès la fin des années 70. Donc, au sortir, si tu veux, de la vague Kung Fu Exploitation, tu vois, donc Lee a été vraiment novateur et il l'est toujours. Tu vois, Bruce Willis, qui tourne encore maintenant, je veux dire, c'est Lee. Tu vois, tous les acteurs, même les films, si tu veux, tu sais, des films urbains avec Bronson, dont Bruce Willis vient de faire un remake, tous ces films, Justicier dans la ville, tu sais, tous ces films-là, si tu veux, il y a toujours derrière, tu vois, la présence, si tu veux, du cinéma d'action, du cinéma violent, du cinéma radical. Bruce Lee était radical. Dans les scènes de combat, c'était radical. Avant, il n'y avait pas ça. Tu vois, là, ça va jusqu'au bout et il tue. Il tue et, je veux dire, même, il sort, si tu veux, d'un combat traditionnel. Je ne dis pas qu'il prend du plaisir, tu vois, mais c'est vraiment la vengeance ultime. Tu vois, tu connais les passages où il est grimaçant. C'est terrifiant. C'était nouveau, ça. C'était nouveau. Donc, il a apporté, si tu veux, cette violence ultime et il a fait école. Voilà. Pour toi, qui est l'héritier de Bruce Lee? Ah bien, écoute, c'est bien sûr, c'est la question traditionnelle, si tu veux, parce que beaucoup d'exégètes posent cette question, beaucoup de cinéphiles, ou tout simplement des fans. Je pense, en fait, qu'il y a une foultitude d'héritiers. Tu vois, on ne peut pas dire qu'il y a un héritier particulier, même si Jet Li, comme tout à l'heure nous l'évoquions, hein, Jet Li s'approche beaucoup de Bruce Lee, de par son physique, l'allure martiale, et puis son côté violent. Parfois, dans des scènes de combat, il sort, si tu veux, des archétypes, et il peut être très violent, très dangereux, comme l'était Bruce Lee. Il y a un peu une démesure. Sur Lee, par exemple, tu vois, on avait dit que dans un de ces deux films, là, après donc Big Boss, d'ailleurs les deux qui ont suivi Big Boss, il avait, si tu veux, un malaise. Et on l'a comparé à James Dean. Tu vois, toujours les mythes qui se télescopent, tu vois, en fait. Et on disait qu'il y avait un syndrome dépressif, donc qui était vraiment endémique, si tu veux, aux populations asiates, c'est-à-dire, à la fin des années 60 et au début des années 70, les droits civils étaient très ténus en Asie. C'était très dur pour les travailleurs, tu vois. Il y a toujours eu des difficultés sociétales. Donc je pense qu'il y avait un malaise, si tu veux, de la jeunesse, tu vois. Tu sais, les rebelles without a cause, tu vois, les rebelles sans cause. Et Bruce Lee, il a un peu personnifié ça, tu vois, voilà. Donc on a dit que c'était un peu le James Dean, si tu veux, asiatique. Alors c'est peut-être un peu un raccourci, mais c'est vrai. Alors donc oui, alors Jet Li, ça, de par la violence et la fragilité, tu vois, disons, les dérapages, si tu veux, de ces scènes de combat, il peut s'approcher de Bruce Lee, tu vois. Dangerous, ça peut être, tu vois, des guerriers dangereux, de très beaux rôles, tu vois. Après, sinon, c'est global. Tu vois, c'est un héritage. Tu vois, c'est, je veux dire. Et alors, comme je te disais tout à l'heure, on l'a évoqué, ce qu'il y a d'assez étonnant avec Bruce Lee, c'est qu'il a, lui, Bruce Lee, tout en étant donc, ayant fait carrière, une ouverture internationale à Hong Kong, revenu, si tu veux, à Hollywood, lui, il a pas renié l'héritage américain. Tu vois, Douglas Fairbanks, les scènes de combat, les scènes épéistes des films avec Fairbanks, les scènes de combat avec un mec comme Lancaster, tous ces acteurs, si tu veux, de films d'action, même Errol Flynn à la limite, tu vois, on peut remonter plus loin, je veux dire, c'était déjà les bases d'un cinéma d'action mondial. Tu vois, alors ça restait dans des schémas classiques, quoique malgré tout, dans certains films, si tu veux, de KPDP, on a évoqué ça à la Cinémathèque, hein, ou dans certains films, si tu veux, de combat, les westerns, on parlait de Wayne, il y a des passages qui dérapaient un peu, tu vois, on allait vers une violence. C'est ce qu'a récupéré Clint Eastwood. Tu vois, Clint Eastwood au cinéma, il était incontrôlable. J'entends le personnage. Hein. Tu vois, c'était les dérapages qui ont fait un peu grincer des dents les critiques, tu vois, les exégètes un peu coincés du cul, si tu veux. Ouais, donc, ouais. Tu vois, on sentait que ça partait un peu en vrille. Et donc, lui, il a fait ça. Malheureusement, il est mort très jeune, tu le sais. Donc, il a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps. Il est mort, en compte, il n'avait pas 40 ans, le mec. Il n'a pas eu le temps de développer. Je pense que ça aurait été terrible. Je pense qu'il aurait, à mon avis, tout à fait humblement, je pense qu'il aurait abandonné très rapidement, si tu veux, le jeu, et il serait allé vers la production. Il aurait produit énormément. La télé,
et des films internationaux très lourds, tu vois, voilà, je pense. Et son copinage avec Steve McQueen et James Coburn. Ah mais ça, si, mais oui, alors c'est ça, c'est ce que je te dis, en fait, il était archétypal dans le sens où il avait vraiment un pied à Hollywood, avec Presley aussi, tu vois, je veux dire, donc il y a eu, si tu veux, McQueen, tu vois, aussi, qui avait un malaise, tu vois, l'acteur studio dont étaient issus, si tu veux, James Dean et Steve McQueen, jouaient, et comment dirais-je, ont magnifié, si tu veux, le malaise de ces acteurs. Tu vois, un malaise sociétal, McQueen, on sait qu'il était issu de quartiers populaires new-yorkais, donc ça a été le baston. Tu vois, c'est-à-dire, tout le monde est pour la paix des ménages, comme on dit, on va pas sur le baston, la vie de tous les jours. Là, on parle d'art. C'est comme Vince Taylor, tu sais, le chanteur de rock'n'roll, un exégète, un journaliste un peu coincé aussi, lui disait, mais alors Vince, c'est le hard rock. Et Vince, il a dit, mais attendez, le rock'n'roll, il n'est pas assez violent, pourquoi hard? Tu vois, je veux dire, tout est déjà dans les fondements, si tu veux, de la culture, tu vois. La culture populaire est très violente, bien sûr. Tu vois. Donc Lee, voilà, il est arrivé, on revient toujours à Lee, il y a des personnages emblématiques, Wayne, tu vois, Eastwood, au cinéma, je te disais, George Romero pour la mise en scène, Terence Fisher, tu vois, Marlon Brando aussi. Marlon Brando, tu vois, l'équipe est sauvage, ouais, sur les quais d'Elia Kazan, tu vois, tout ça, c'est énorme. C'est des mecs violents, mais ils se traînaient en malaise. Et le malaise, ils l'ont rendu, si tu veux, dans leur rôle, tu vois, à l'image, tu vois. Et ça a fait des icônes. Et Bruce Lee, comme je te disais tout à l'heure, je pense que c'est l'ultime icône. Il y aura d'autres choses dans le futur, mais il est la fin d'un temps, la naissance d'un temps nouveau. Mais en matière iconique, si tu veux, c'est la frontière, tu vois. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ah ben si tu veux, on finira sur cette belle note, si voilà, tu veux, religieuse. Voilà. Mais c'est que du bonheur, si tu veux. Je pense que les nouvelles générations, tu sais qu'il y a des rééditions là, tu vois, donc numérisées, de nettoyées, puis vraiment, disons, ce que les jeunes appellent des films modernes, tu vois. Et bon, les mecs, ils vont redécouvrir tout ça. C'est que du bonheur. Est-ce que tu as été pratiquant ou aurais-tu voulu en être un? Mais pour toi, alors, Bruce Lee, en définitive, c'est quoi? C'est un art de vivre? Ah ben, Thierry, complètement. C'est un art de vivre. Alors, en ce qui concerne les sports de combat, moi, j'ai tâté un peu de la boxe française et de la boxe anglaise, mais en entraînement. Donc, comme Belmondo, je ne devais pas avoir assez de haine, si tu veux, tu sais, pour faire des combats, professionnels, tu vois. Mais j'ai un peu tâté de ça, bien sûr. Les sports asiatiques, non. Non, ça, non. Par contre, j'avais des camarades qui étaient dans le karaté, qui sont allés vers le kung-fu, et j'avais vu des entraînements, particulièrement un gars, tu sais, un peu binoclard, tout maigrichon, et le mec, tu sais, il m'avait fait tenir, putain, il bastonnait, j'avais dit, putain, toi, on n'a pas intérêt à t'emmerder, tous les trous du cul qui t'emmerdent à longueur de journée, si te voyais, t'emmerderais plus. Donc, tu vois, ça a fait école. Alors, bien sûr que c'est un art de vivre. Je veux dire, en fait, son cinéma, c'est ça qu'il a enseigné. C'est-à-dire, c'est la fierté d'être ce qu'on est. Donc, il a, comme je te disais, il a redonné, ou donné même, j'allais dire, tu vois, la fierté donc, à des millions de gens sur toute la planète. Donc ça, c'est un art de vivre aussi. Quand tu as des gens qui sont bien dans leur peau, quand tu as des gens, si tu veux, qui sont en sérénité, ça peut qu'apaiser les choses. Dans Bruce Lee, il a été moteur en cela, tu vois. Et après, à titre personnel, les mecs qui étaient dans les sports de combat, soit les sports de combat européens, soit les sports de combat asiatiques, soit, si tu veux, dans des sports de combat nouveaux, tu vois, il y avait, tu sais, la naissance de trucs d'autodéfense, de self. Et bien sûr, c'est un art de vivre. Les mecs, ils mangent bien, ils ont une hygiène de vie, ils ont des références. Bruce Lee en a été une. Après, tu as des garçons et des filles qui ont voulu peut-être aller vers le cinéma. Tu vois, les Schwarzenegger, les si tu veux, tous, les Cigales, tous les Van Damme, tous ces gens-là, se sont donc mis une pression pour avoir une vie naturelle, saine, pour aller vers le cinoche. Donc tout ça, tu vois, s'interpénètre. Et Bruce Lee a fait école. Il a fait école, comme je te le disais, comme seuls savent le faire les icônes. Comme Presley l'a fait en matière de musique, comme les Beatles l'ont fait en matière de musique. Il y en a un par génération. Donc c'est clair que ta série, en l'occurrence, la série que tu as initiée, et on doit te remercier et te féliciter, elle est importante. Parce qu'elle va souligner la chose
et elle va la souligner à travers des témoignages de gens complètement différents. Donc comme ça, chapeau Thierry.